Je ne sais pas. Et le jour où la mort tombe, c'est la séparation de l'âme et du corps, et là, je vis un jugement particulier, et je ne peux plus rien faire. Pour une bonne raison déjà, c'est que nous avons un corps et une âme. Comment pourrait-on faire un choix qui va engager la vie éternelle sans notre corps terrestre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous nos choix sont faits en tant qu'homme, et qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme a un corps et une âme. Vous êtes en train de nous dire qu'en fin de compte, nous faisons que c'est une âme qui fait un choix, c'est-à-dire que c'est un ange. Il m'a dit lui-même que nous sommes des ectoplasmes, des fantômes après la mort, il me l'a dit. Vous vous rendez compte en qui vous mettez votre foi là? Vous vous rendez compte ceux qui suivent tout ce truc-là? Alors, monsieur Dumouche,